sur des tombes et près des fantômes. Les habitants ont investi ce cimetière de Ngaoundéré. Là, sans crainte, ils ont détruit des sépulcres et construit des habitations. Démasquer tous ceux qui ont pris le risque de profaner ces tombes que nous avons vues sur le site et que cela puisse répondre de leurs actes. Des tombes profanées, puis vidées des ossements. Ces parcelles de terrain libérées sont par la suite vendues aux tierces personnes. Vous connaissez les limites exactes de ce cimetière parce que vous-même vous montrez, vous sautez les maisons là comme ça là. Vous dites qu'on passe derrière, ça continue là-bas. Vous connaissez les limites de la zone qui avait été pressentie pour servir de cimetière. Dans ces différentes manœuvres, le regard est tourné vers les agents du cadastre et les chefs de bloc dans les quartiers. Nous allons donc voir si on peut mieux organiser et délimiter cette zone importante sous l'encadrement, bien évidemment, de la mairie de la ville. L'instruction est ferme dès lors. Toute transaction dans ce cimetière est proscrite.